Une machine bizarre s'est activée d'elle-même à l'endroit où habitait Larry Parker. Et là où il y a de la technologie, il y a toujours deux trucs. Des matériaux de valeur et des ravageurs. Méfie-toi si tu comptes t'y rendre. Je me demande ce qu'on fera quand on sera... Faut qu'on se protège les uns les autres, maintenant plus que jamais. C'est parti. Plus de contre leur père. Je suis contente qu'elles aient pris la relève. C'est pas la première. Ça vous aidera toujours. J'ai connu pire.
en cherchant des noix et des racines. Je vous tombe dans la rame à bras quand je peux faire ici. Les jumelles nous ont privés de nos pères. Et ça, je leur pardonnerai jamais. Quelque chose d'utile ? Conti était rempli de survivalistes. Ils ont tous disparu, mais on trouve encore leurs trésors enfouis dans le coin. Je vous conseille de ne pas les ignorer. Vous trouverez forcément quelque chose d'utile. Je t'en supplie, Wade. Ces tours, c'est rien de docile. Un jour, tu vas sonner ta cloche pour l'appeler. Il va débarquer en courant pour te bouffer. T'aurais pas pu filer tes clés à un oiseau, non? N'importe quelle bestiole qui bouffe pas les gens, quoi.
On n'a pas fini de se battre dans ce coin. Les ravageurs produisent des armes en masse dans un avant-poste qui fonctionne à l'éthanol. On peut pas leur laisser un avantage pareil. Pour la mécanique dans la famille. J'espère que maintenant plus rien ne te fait peur. Vous pouvez tout garder. De retour dans la forge. Si vous essayez de la reprendre, méfiez-vous des alarmes. S'ils vous repèrent, ils enverront un exécuteur. Prends une serrouillée.
J'espère que tu trouves tes marques ici. Les ravageurs bouffent tout ce qui marche à quatre pattes. Ils volent les chiens des gens pour les manger. Ils sont enfermés sur une colline. Je les entends hurler des fois. C'est triste. Les jumelles tombent dans le collimateur. Je suis désolé. Tu dis toujours ça. Mes condoléances pour tous vos amis morts dans le train. Et de retour. Et tout ça, c'est grâce à votre aide. Salut, toi. Content que tu sois en vie. C'est comme si on avait agrandi un abri de jardin au max. Ouais, on en est là. Parfait, on peut s'envoler. OK, alors voilà ce qu'on va faire. Les ravageurs installent des forteresses partout où ils ramassent des ressources rares. Nous, on va là-bas, puis je te dépose tout près. Tu dois trouver le colis et le récupérer. Cherche la fumée rose. Mais fais attention, il y a un émetteur GPS dessus. Dès que tu partiras avec, les ravageurs se mettront à te traquer comme une bête. Je t'enverrai un point d'extraction, puis je viendrai te chercher avec mon hélico. Viens me parler quand tu voudras y aller. Moi, je suis prêt tout le temps. Le nouvel Eden est sûrement dans quoi? Il faut qu'elle trouille. Des fois, je me dis que j'avais plus de matos quand je me baladais dans les champs. C'est comme si on avait agrandi un abri de jardin. Je me souviens quand c'était le ranch des Seed. D'ouvrir l'œil. Hey, venez par ici. On vient juste de commencer. Mangez tant que c'est chaud. Ça part vite quand ça sent bon comme ça. Je vais prendre ça pour un compliment.
Maman pensait que ce serait une bonne idée d'organiser un repas pour le moral de tout le monde. J'ai l'impression que ça marche. On a tous besoin de souffler un peu. Mais elle, non. Elle n'arrête jamais. Et ça, ça risque pas de changer. Ça fait bien longtemps que j'avais pas accueilli autant de monde. La dernière fois, c'était peut-être pour annoncer que j'étais enceinte de toi. Tout le monde était content pour ton père et moi. Ce n'est pas parfait, et il reste beaucoup à faire, mais c'est agréable d'avoir à nouveau une raison de se réjouir. Je suis bien d'accord. On n'en serait pas là si vous nous aviez pas aidés. Allez-y, servez-vous à boire. Vous le méritez bien. C'est quoi ce bordel? Et eux. Faut qu'on fasse rentrer les enfants. Allez! Oh non! Allez, baissez vos armes. Ce serait dommage de faire peur aux enfants. Carmina! Tout va bien se passer, ma chérie. Désolée, ça m'énerve quand j'entends des gens mentir aux enfants. Pourquoi vous faites ça? À cause de ton champion, là. Avant que toi t'arrives, tout se passait parfaitement bien. Mais maintenant, tu nous poses plein de problèmes. Tu piques nos affaires, tu fous le bordel partout où tu passes. Je crois qu'on ferait mieux de le tuer. Non. Calme-toi. Ce serait bête d'en faire un martyr. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde se rende bien compte que ton aide est un fléau. Chaque personne que tu aides, chaque enfant que tu inspires, chaque campement que tu construis, on te le prendra. Et quand il te restera plus rien, ce sera tout. Surtout, tiens-la bien. La seule valeur sûre dans ce monde, c'est le pouvoir. Et toi, tu nous fais passer pour des faibles. Mais maintenant, c'est terminé! On va te prendre toutes les choses auxquelles tu tiens. En commençant par ta maison. Et si on peut pas le prendre, eh ben on le détruira. On veut pas te voir quand on reviendra. Allez, allez! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est passé, on va rentrer, allez. Capitaine, par ici. Carmina m'a raconté. Il est hors de question qu'on laisse les ravageurs prendre ce qu'on a construit. Ils vont revenir et ils auront sorti l'artillerie lourde. C'est bien, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. On n'a pas beaucoup de temps pour se mettre en position de façon à pouvoir riposter. Alors on a besoin d'être prévenus à la seconde où ces connards viendront. J'ai envoyé un éclaireur. Au premier signe, ils nous avertiront. Ça nous laissera assez de temps pour nous préparer. Je me sentirais mieux si vous alliez voir s'ils vont bien, capitaine. Assurez-vous qu'ils sont prêts. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si les murs tombent, nous tomberons. J'espère que je mourrai pas aujourd'hui. Le train va plus nous servir maintenant. On doit prendre aucun risque. Pas après que les ravageurs aient débarqué comme ça. Pour le moment, tout est calme. Mais ils pourraient débarquer n'importe quand. J'espère juste que je pourrai prévenir tout le monde à temps quand les ravageurs seront là. On peut pas se permettre de perdre... Merde, les voilà! Retourne voir les autres, vite! Revenez tout de suite! Un groupe de ravageurs se dirige droit sur nous!
qui approche par l'ouest. Ils sont entrés. Repliez-vous tous. Protégez la maison. Capitaine, ils sortent les explosifs. Regroupez-vous et protégez ces bâtiments. Faut pas qu'ils approchent de la maison. Comment ? On a de gros ennuis. On a perdu beaucoup de gens. Les blessés vont pas bien. Si elles reviennent, on est foutus. Il reste plus personne. Et ce groupe au nord, sinon, Nouvelle-Éden. Pardon, vous vous foutez de moi ? Je les ai vus en action. Ils ont attaqué le camp où j'étais prisonnier un soir. Rien qu'à deux. Ils ont pris assez de balles pour mourir sur place et ils ont disparu dans la forêt. Les ravageurs disent que c'est des fantômes. Mais je sais ce que j'ai vu. Tous ces gens étaient sous l'influence d'une drogue. Il nous faut ce qu'ils ont. Vous vous rendez compte que vous parlez d'aller voir Joseph Seed, un homme qui a terrorisé notre famille pendant des années? Mais c'était avant, ça. Il nous a laissé tranquilles, maman. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est derrière nous. Ne mêle pas de ça. On a besoin d'aide. Et si on n'en trouve pas, on va tous mourir. Se lier au Nouvel Éden, c'est un pacte avec le diable. C'est la seule option qui nous reste. Je sais pas ce qu'ils ont, et quel est leur secret. Mais il nous le faut. Nous sommes dos au mur. Découvrez ce que cache ce Joseph. Moi, je m'occupe d'ici.
Tu vas bien? Il t'a pas fait de mal? Le monsieur barbu? Il m'a juste donné à manger. Si jamais il revient par ici, tu viens tout de suite nous chercher, tu m'as bien compris? Mais j'ai faim, et t'as dit qu'on devait trouver à manger comme on pouvait. Oui, mais on n'accepte rien de lui, même pas à manger. Pourquoi? C'est parce que... on connaissait cet homme avant ta naissance. Il a fait des choses très mal. Il a fait du mal à ton papa. Il a voulu s'en prendre à notre famille. Alors, si jamais tu le revois, tu t'enfuis aussi vite que possible. D'accord? Rentre à la maison, chérie. Faut qu'elle comprenne qu'on n'acceptera jamais l'aide de ces cinglés.